De prolétaires a été éduqué dans la négation de la conscience révolutionnaire, élevé au sein catholique, a servi depuis la naissance à un ordre spectaculaire marchand qui consolide chaque jour sa puissance. Malgré le désespoir et le conditionnement politico-médiatique, une fraction de la jeunesse résiste et développe une critique révolutionnaire adaptée aux conditions actuelles d'exploitation. Les révoltés qui aujourd'hui sont en train de bouger savent qu'il est encore temps de
plus changer la société. Si le futur obscur du monde est dans la soumission, les rapaces soient quant à eux leur avenir dans la subversion. Peut-être que la lutte sera dure face à vos putains de lois, mais sachez que jamais nous ne serons vos proies. Face à la répression, gueule ton opposition. Place à la contestation pour la désillusion. La répression, celle qui gère les infractions. Contre le bastion, moi je reste en action. En mission, pour les mener à la démission. Continuons la lutte, sans rémission. Je reste en action, révolté sans compromission. Lucidement, appelant à la soumission. Face à la répression, gueule ton opposition. Place à la contestation pour la désillusion. La répression, celle qui gère les infractions. Contre le bastion, moi je reste en action. En mission, pour les mener à la démission. Continuons la lutte, sans rémission. Je reste en action, révolté sans compromission. Lucidement, appelant à l'insoumission. Le travailleur ne se produit pas lui-même. Il produit une puissance indépendante. Le succès de cette production, son abondance, revient vers le producteur comme abondance de la dépossession. Tout le temps et l'espace de son monde lui deviennent étrangers avec l'accumulation de ses produits aliénés. Les forces mêmes qui nous ont échappé se montrent à nous dans toute leur puissance. L'homme séparé de son produit, de plus en plus puissamment, produit lui-même tous les détails de son monde et ainsi se trouve de plus en plus séparé de son monde. D'autant plus sa vie est maintenant son produit, d'autant plus il est séparé de sa vie. Rapidement, sans faux semblant, la réaction se fait entendre. Rapace indubitablement n'est pas un groupe à vendre. Un groupuscule dont le seul but est la lutte contre le capitalisme dont nous prépare la chute. Nous tapons à t'organiser, à former des groupes d'action. À ton niveau, dans ton quartier ou bien dans ta profession. La bourgeoisie est aujourd'hui plus que jamais notre cible. Alors donne-toi la capacité de lui devenir nuisible. Nous cherchons pas à te convaincre, même pas à t'influencer. La misère est trop évidente, beaucoup de gens en ont assez. De cette vie de merde, où nous sommes les mauvais pions. Du jeu politique, tu fais notre exploitation. Ceci est un communiqué d'une voix sans clandestine. De la future révolution assassine. Ceci est un communiqué d'une pression clandestine. Prémisse de la future révolution assassine. Occupons les entreprises des patrons qui nous enculent. Bâtards qui dans les places boursières spéculent. La masse monétaire résultant des échanges commerciaux et s'il faut inférieur à celle des financiers mondiaux. Ce phénomène qui nous tue et qu'on appelle la crise est en fait la pure volonté, la classe qui nous opprime. Les gouvernements, tu le sais, de gauche comme de droite, ne sont là que pour défendre ceux qui nous exploitent. Personne ne doit avoir le droit de nous diriger. Le peuple doit directement agir dans la société. Dans les assemblées de quartier, nous pourrons gouverner. Les entreprises seront à nous tous autogérées. Ceci est un communiqué d'une façon clandestine. Prémisse de la future révolution assassine. Ceci est un communiqué d'une façon clandestine. Prémisse de la future révolution assassine. La lutte armée est peut-être un moyen efficace de casser l'appareil d'État qui soumet les masses. Si elle parvient à atteindre des points stratégiques tels que l'Elysée, les banques, la bourse, là où il y a le fric. Et pour cela faire de misère, il faut bien comprendre que mener une guerre sociale, ça n'a rien à tendre. Mais en ce moment en France, avoue-nous vraiment le choix face aux fascistes qui prennent toujours plus de poids. L'armée est déjà dans les rues et les CRS préparés à réprimer le peuple révolté s'il tente d'attaquer. Déclencher une alerte, j'ai bon nombre de prolétaires maintenant prêts à former des milices révolutionnaires. Il est un communiqué d'une façon clandestine. Prémisse de la future révolution assassine. Ceci est un communiqué d'une façon clandestine. Prémisse de la future révolution assassine. Ceci est un communiqué d'une façon clandestine. Prémisse de la future révolution assassine. Ceci est un communiqué d'une façon clandestine. Prémisse de la future révolution assassine. Je ne veux pas voir, nous ne voulons pas voir profiter du pouvoir ceux qui se torchent avec notre espoir. Faut que ça cesse, faut que finissent les réclamations. Bannissons la passivité, je veux nous voir tous à l'action. Définissons l'idéologie que nous combattons. L'économie politique comme science de la domination. Identifions clairement ces agents et ces leurs. En commençant par les médias et tous ces détracteurs. La critique se doit d'être totale et sans compromis. Aussi extrême que ce système qui nous a servi. Il faut shooter avant de l'être. Fréquent déchaînant les esprits que la vie va renaître. Ceci est un communiqué d'une façon clandestine. Prémisse de la future révolution assassine. Ceci est un communiqué d'une pression clandestine. Prémisse de la future révolution assassine. Nous luttons contre l'armée qui apprend l'obéissance, la violence, l'ennui, les tâches inutiles. L'armée qui brise la personnalité de l'homme.
contestation a de multiples visages. Alarmé, l'alarme est sonnée, car quand je balance mes rimes, je le fais bien armé. Parce que c'est un devoir de faire ses classes, je sentis l'état, et l'âge plus bon de passe, l'étape suprême de ma courte vie. Parce qu'on y apprend la discipline et la hiérarchie. Ce n'est pas que je l'ignorais l'existence, mais là je suis bien obligé d'y passer, c'est la différence. Je ne constate vraiment aucun progrès en ce qui concerne l'évolution des mentalités. Aboutir la jeunesse aux côtés d'officiers, ou bien la séquestrer si elle demande à s'exprimer. Hardcore et brutal, je suis sans problème dans mon domaine, mais en deçà, croyez-moi, je ne ferai pas sans peine. Une obligation, déjà je n'aime pas pour ça. Alors en plus militaire, le monde est bien bas. Armée, institution, meurtrière, moi contre la guerre, je dénonce. Qui massacre les masses sous couvert humanitaire, tous les militaires, que je défonce. Leur objectif est souvent atteint malgré les plaintes. Broyer l'individu, lui inculquer des craintes, surtout lui faire réaliser qu'il est seul. Face à l'État, pas d'autre choix que de fermer sa gueule. Par définition, le militaire n'a pas de conscience. Décerveler les psychologiquement dans l'insuffisance de développer toute aspiration à la vie. La pulsion mort est une maladie, les soldats des zombies. L'irrationalité des comportements dans l'armée, c'est qui pousse les hommes à commettre les pires atrocités. Le conseil de fléau qui ravage l'humanité, le pouvoir incontrôlé et bien sans l'autorité. On n'est donc pas surpris de voir quand on regarde l'histoire que les fascistes, petits connards de nazis, sont toujours issus de sociétés démocratiques où il est prôné de cracher sur les pacifiques. Armée, institution, meurtrière, moi contre la guerre, je dénonce. Qui massacre les masses sous couvert humanitaire, tous les militaires, que je défonce. La logique du capital à l'échelle mondiale pousse les États et le Fonds monétaire international à appliquer des politiques d'armement nécessitant dans les pays pauvres le capon d'affrontement. La course à l'arme nucléaire met en évidence la recherche d'un pouvoir autoritaire. La paix comme excuse, je la refuse, pensant qu'au sein de l'humanité, l'armée d'une intruse. La nature meurt, la destruction demeure, tandis que l'industrie militaire prend de l'ampleur. Que les menaces soient ignorées ou reconnues, le capital s'accroît, les fois s'exténue. Le traitement des déchets est négligé, je suis pas effacé. L'opinion par les médias de masse s'est écrasé. Les essais nucléaires français, c'est une réalité. Voyez donc l'impuissance du peuple à s'imposer. Armée, institution, meurtrière, moi contre la guerre, je dénonce. Qui massacre les masses sous couvert humanitaire, tous les militaires, que je défonce. Constamment en position de poids potentiel, les griffes du pouvoir rapacent, faufilent les mêles. Ces connaissances, au témoignage des anciens, ceux qu'on parquait dans des camps, sur qui on lâchait des chiens. Malheureusement, les balles des républicains espagnols n'ont pas été assez nombreuses pour chasser les idoles. Au nom desquels, aujourd'hui encore, en Yougoslavie, dans les charniers, on entasse des corps. Les armées qui s'opposaient aux rachitariens n'ont fait que sacrifier des générations pour rien. Car 40 à présent, de l'ordre international, elles assassinent des peuples à chaque point cardinal. Ils étaient la multinationale occidentale, par la CIA pour mettre un coup fatal au président chilien Allende en 73. L'état militaire s'est alors instauré à l'aise. La France a torturé en Algérie, et en 93 a perpétué la barbarie. Le génocide rwandais a été organisé par des officiers français, agents de l'Elysée. Alors quoi? L'armée c'est humanitaire. Moi je suis plutôt sûr qu'elle répand l'horreur sur la terre, et que les idéologies propagées dans les casernes sont d'extrême droite, éclatrices de haine. Armée, institution, meurtrière, moi contre la guerre, je dénonce. Qui massacre les masses sous couvert humanitaire, tous les militaires, que je défonce. Y'a peut-être qu'une seule armée aujourd'hui qu'on respecte, par celle-là bien sûr, toutes les autres nous dépêchent. Et c'est l'armée sympathiste de Libération Nationale, à qui l'on adresse maintenant un message vocal. Attendons los chingos que sea el salón en Chiapas, contra el opresor capitalista digo gracias, por haber mostrado los que nos acabó la historia, sino que se sigue luchando. Los hombres pobres y los explotados han tomado las armas y son mexicanos. Allá ahora el rico tiene miedo y el antiguo esclavo está emancipado. Todos los pueblos del mundo entero deben unirse contra el liberalismo y gritar ¡y ya basta! En el mensaje zapatista está la esperanza. En Francia como en México, ¡viva la lucha armada! Like the pumping on the string.
Soy el clandestino, maravilloso, como Zapata Emiliano. Vengo del barrio donde sube el malo y sube la conciencia, pero yo quedo listo. Mi armada es arreglada, desangro el sistema como nunca, contador de mierda. Pero fina hoja me enciende, chico, pronto lo descubrirá. No es forma de estilo, sigo mi ruta. C'est un plateau de télévision, mais c'est surtout un espace de liberté. Or, c'est quoi un espace de liberté à télévision? Écoutez, vous allez comprendre. Le droit de lyncher même, et on le voit tous les jours. La diffamation est licite à une condition. Que le journalisme meurt. C'est les Français. On juge les gens en faciès. Riposte, c'est le magazine de toutes les polémiques en liberté. Le problème des droits de l'homme, on pourra en parler. La dioxine. Je cite mes sources. Ici, le dernier qui a parlé n'a pas forcément le dernier mot. Aujourd'hui, elle est idéologique. Il y a énormément de francs-maçons qui sont... Je ne peux pas laisser dire ça. La riposte est un droit pour tous. La cinquième s'en fait un devoir, mais elle en fait surtout un spectacle d'information pour votre plaisir. La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime. Mesures arbitraires comme ça démontrent bien la nature du régime. La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime. Je suis un contestataire qui conteste à tort et à travers. Ce que je dis dérange, je le sais et j'en suis pas peu fier. Je balance tout ce que je peux tant que je le peux encore. Car rien n'indique que je puisse le faire jusqu'à ma mort. Je veux pas donner de leçons à nos représentants politiques. D'ailleurs ce sont eux qui nous imposent l'éducation civique. Dans les écoles, je rigole à qui va l'auréole. De la bonne conduite, de la bonne tenue sur ce sol. Le savoir, c'est notoire, des élus au mitard. C'est rare comme devoir de l'humanité dans le pouvoir. Le pouvoir, eux, savent le manier avec la corruption. C'est comme s'ils étaient mariés. Maquillés, les vrais dossiers sont toujours occultés. Les peines sont minorées et les vrais voleurs en liberté. Chacun se soutient pour avoir sa part du gâteau. Entre les pots devant leurs privilèges et nos impôts. Nos droits, qui y croient encore, c'est trop fort ça. Dans la vie, force est de constater qu'on finit fort. Ça faut s'accorder, tous autant qu'on est, il faut essayer. Forcer les portes et de faire en sorte que chacun soit respecté. Nos droits, qui y croient encore, c'est trop fort ça. Dans la vie, force est de constater qu'on finit fort. Ça faut s'accorder, tous autant qu'on est, il faut essayer, forcer les portes et de faire en sorte que chacun soit respecté. Mais ça crève les yeux, demain ne sera pas mieux. On sait bien que la relève se prépare dans le milieu institutionnel. Là où l'élitisme est rigoureux, là où l'accès aux responsabilités est toujours douteux. Citer des noms énumérés, à quoi bon? Je préfère généraliser et ne pas les écarignon. Et puis, oppression, faut que je fasse attention. La censure aujourd'hui encore, c'est la prison. Ça tu le sais, demande à Abu Jamal Mounia. La preuve est que la liberté peut être contrée par les lois. Nos droits, qui y croient encore, c'est trop fort ça. Mais force à forcer de constater qu'on le finira. Mais forcer, enchaîner au boulot comme un boulet. La fermée est la seule liberté qui soit accordée. Faut s'accorder, on est tous cordats, donc faut essayer. Forcer les portes des palais et des gens bien trop décorés. Nos droits, qui y croient encore, c'est trop fort ça. Dans la vie, forcer de constater qu'on finit fort ça. Faut s'accorder, tous autant qu'on est, il faut essayer. Forcer les portes et de faire en sorte que chacun soit respecté. Nos droits, qui y croient encore, c'est trop fort ça. Dans la vie, forcer de constater qu'on finit fort ça. Faut s'accorder, tous autant qu'on est, il faut essayer. Forcer les
masse qu'une matière première, qu'une main d'œuvre servile et peu rancunière. Ils espèrent voir la situation ne pas évoluer du mauvais côté, resserrent les boulons sans écouter les cris, les cœurs, les voix, les pleurs. Et pour cause, leur aisance est à l'échelle de cette douleur. Certains se gavent, d'autres crèvent, me dit c'est pas grave. Faut du rêve dans la matière, y'a pas de trêve. À quand un nouveau partage, dans la fin des privilèges. Contre ce système d'esclaves, je m'élève. À quand les grèves, faut bloquer ce système pourrave. Faut que tout le monde se lève avant que ça ne s'aggrave. Mais ça crève les yeux, l'horizon n'est pas meilleur. Faut se prendre en charge aujourd'hui, ici et pas ailleurs. Faut s'accorder, tous autant qu'on est, il faut essayer. Forcer les portes et de faire en sorte que chacun soit respecté. Nous trois, qui croit encore, c'est trop fort ça dans la vie. Force est de constater qu'on finit fort ça. Faut s'accorder, tous autant qu'on est, il faut essayer. Forcer les portes et de faire en sorte que chacun soit respecté. Que chacun soit respecté, reconnu et accepté. Que tous soyons unis, entendus et écoutés. Voilà mes voeux, difficiles à réaliser. Mais pour ça, je nous laisse entre une année et l'éternité. Tous autant qu'on est, il faut essayer. Forcer les portes et de faire en sorte que chacun soit respecté. Nous trois, qui y croit encore, c'est trop fort ça dans la vie. Forcer de constater qu'on finit fort ça. Faut s'accorder, tous autant qu'on est, il faut essayer. Forcer les portes et de faire en sorte que chacun soit respecté. Avec nous ce soir, une autre star du rap, Passy. Bonsoir Passy. Bonsoir. On voyait dans le reportage tout à l'heure les sponsors des marques qui sponsorisent. Vous êtes sponsorisé aussi ? Moi, c'est Reebok, moi. Je travaille beaucoup avec Reebok. Ah oui, donc vous portez Moi, j'y vais, moi, je suis capitaliste. D'accord, donc ils vous payent pour... C'est un deal, on sait qu'on représente une certaine image, on sait qu'il y a des jeunes qui écoutent nos paroles, nos musiques, etc. Moi, c'est mon gagne-pain, c'est mon métier aussi, donc je capitalise tout ça. La condition de l'homme ne s'est pas faite par hasard. Si tu as un seul doute, jette un œil dans l'histoire. Tu es la cible des arnaques, la cible du pouvoir. La cible sans défense, c'est net, y'en a marre. De gros bâtards t'exploitent et font rarement d'erreurs. Y'a rien à faire, t'es toujours dans leur collimateur. Tu n'es qu'un produit, noyé dans la masse. Tu n'es que le fruit du système économique en place. Étant une proie facile et accessible, sans opposition, le business progresse. Et seuls les gros bâtards en profitent sans cesse. L'homme est un loup pour l'homme, se vérifie. Dans ce monde où l'inégalité est à la base de l'économie, faisons plus attention à l'importance des leurs, comme à leur puissance qui fait tout notre malheur. Nos atouts sont de trois ordres. Ils sont liés au coût, ils sont liés à la souplesse et ils sont liés également au résultat. En ce qui concerne les coûts, je vous garantis pour plus de 1000 emplois des charges patronales diminuées de 50%. Je vous garantis également une main-d'œuvre qui sera payée uniquement au rendement. Et je vous garantis également un contrôle extrêmement spécifique des articles rendus. Pour la souplesse, eh bien nous pouvons nous adapter à des calendriers même extrêmement contraignants. Tenez, récemment, nous avons mis en sachet 1 million d'articles en moins de 15 jours. Je vous garantis également qu'il n'y aura pas d'absentéisme. Je vous garantis que nous travaillerons 12 mois sur 12 et qu'il n'y a pas de conflits sociaux à l'intérieur de l'entreprise. Au niveau des résultats,
je vous propose un savoir-faire extrêmement large qui ira depuis les tâches les plus répétitives jusque, si vous le désirez, le développement de logiciels informatiques. Je pense vous avoir convaincu. Je vous propose de venir, de nous rencontrer et d'en parler. Chaque jour, des conseillers de la DRSP sont à votre écoute. Ils s'engagent dans la stratégie de votre entreprise. Ils font face aux contraintes et recherchent les solutions adaptées à vos besoins. Répondre à la démarche spécifique de votre entreprise, garantir une prestation de qualité, devenir le partenaire d'ouverture et de dialogue, apporter des solutions avantageuses et rentables, tels sont les atouts dont dispose la Direction régionale des services pénitentiaires. La subversion à tout moment et en tout lieu et en tout lieu et en tout lieu.
suis rapide et sans équivoque. Je m'adapte, m'inspire de mon époque. Rapace, parce qu'on représente une menace. Notre but n'est pas de faire carrière, mais d'être efficace. J'ai trop folle vite, ça fait un tiers de ma vie que je milite au micro. On m'appelle artiste, t'es pas des mythos. Tu persiste, tu connais le scénario. Unique, quand j'suis en piste, j'ai pas d'ego, j'ai pas d'égal. Quand je déballe mon flow, 100% efficace, 100% commando. J'ai pas d'égal, quand je déballe mon flow, 100% efficace, 100% commando. J'suis la mèche, assis sur la bombe qui va exploser. Dorénavant, plus rien ne m'empêche de me consumer. Inutile de me souffler, essayer de m'étouffer. La vérité va être exposée et tout déchirer. Tel une troupe d'élite, un commando sur le qui-vive. Le parasite, les ondes, lâchant l'offensive. Lançant les festivités, toujours de façon précise. On vise droit sur notre cible, qu'on se le dise. Les rapaces sont des rappeurs, de MC venus d'ailleurs. Au mic, c'est comme ça qu'on se la donne, sans erreur. On suit le métronome, tu, sans en avoir averti. Personne, faut pas nous prendre pour des apprentis. J'ai pas d'égal, quand je déballe mon flow. 100% efficace, 100% commando. J'ai pas d'égal, quand je déballe mon flow. 100% efficace, 100% commando. J'ai l'âme chargée à bloc, c'est l'arme de mon époque. Tu notes, bien que c'est ma vie ici que j'évoque. C'est ma vision ici que je te trace. D'un coup de crayon, c'est peu dire que je laisse des traces. Très peu d'indices, et pourtant tellement de séquelles. Les COD qui c'est maintenant tout le monde sait qu'elles sont les vices, des lois et des gens qui nous régissent. Demande-toi pourquoi certains déjà appellent la police. La balise, balise à l'écoute de ma voix. Car quand je dégaine et vise, c'est pour faire des dégâts. Les gars, rimeurs, paria ou texte furieux. Accroche-toi car quand je rappe, c'est du sérieux. J'ai pas d'égal quand je déballe mon flow. 100% efficace, 100% commando. J'ai pas d'égal quand je déballe mon flow. 100% efficace, 100% commando. Luttant pour la paix, on nous appelle le pacificateur. Le pacificateur, le pacificateur. De tête en tête, devant tous les mystificateurs. En fait, un réel déstabilisateur. Sans erreur, je débarque, éclate les bacs quand j'attaque. La batte, les coups battent. J'exalte la terreur, les bons sont dans mon viseur. Les concaltes à l'écoute de mon son provocateur. Évocateur de rimes pour que les opprimés s'expriment. Révélateur de conscience pour tous ceux qui triment. Anonyme, je ranime les passions, mais la pression. Mon son est sans concession et c'est pas qu'une impression. J'ai pas d'égal quand je déballe mon flow. 100% efficace, 100% commando. J'ai pas d'égal quand je déballe mon flow. 100% efficace, 100% commando. Lançons les hostilités au stylo d'un style aiguisé. En guise d'essai, j'en suis un pro. Histoire de tester l'auditoire, sans rien lui dire de dérisoire. Juste des mots qui poussent le servir face à l'histoire. Lâchant l'offensive, toujours de façon précise. On vise droit sur notre cible et on aiguise l'auditoire, sans rien lui dire de dérisoire. Juste des mots qui poussent le servir face à l'histoire. Tout le monde y passe, je remets les choses en place. Je remets les choses à niveau, ou casse mes rivaux. 100% efficace à l'orée du chaos. Les rapaces s'attaquent en masse en mission commando. Les anciennes utopies ne fonctionnent plus, le marxisme est mort. Alors, avec quelles idées vivre à nouveau ? Je pense que justement, c'est un point positif de plus avoir de modèles sur lesquels éventuellement se calquer de manière mythique, comme ça a pu être fait à un moment donné. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, tout est à réinventer. Parce que vieux modèle 68, je m'excuse, mais enfin, il y a un autre vieux modèle qui est quand même relativement dominant maintenant, c'est la démocratie parlementaire. Ne dites pas quand même que le Parti Socialiste n'est pas un vieux modèle. La social-démocratie est encore un plus vieux modèle. Donc vieux modèle pour vieux modèle, je préfère celui qui met en avant des idées comme la gestion ouvrière, comme le partage du travail, comme la suppression des travaux complètement inutiles. Je pense en particulier à l'armement, je pense à tout ça. C'est quand même autrement moins vieux comme idée que de dire qu'il faut recommencer des élections pour essayer d'avoir une majorité de gauche. C'est un mouvement spontané, un mouvement révolutionnaire, c'est un mouvement spontané, la contestation par la violence. C'est historique et c'est révélateur, la température va encore monter. La première bataille, les premiers pavés, les premières grenades, la première barricade. 2002, date importante en France, où le peuple a massé toutes ses espérances, tous les yeux sont rivés, enfin mais c'est l'échéance, pour enfin savoir qui va être élu à la présidence. Cette période chaude, en vue des élections, les médias aiment à exciter l'opinion. Par des sondages, des débats ou de l'information, les partis pavanes et peinent à imposer leur position. Premier tour, déjà le conformisme a triomphé, puisque par
voter par les urnes parce qu'ils vont avoir le pouvoir qui leur permettra de sortir le pays du cauchemar. Les résultats tombent, beaucoup sont survoltés. Pourtant le vainqueur est depuis toujours désigné. Le septennat suivant ressemblera au précédent. Et dans 7 ans rien n'aura changé excepté le président. Au second tour, le but n'est pas de voter pour, mais contre le pire des 2 derniers discours. À la vue des promesses, la nation va se redresser et prendre de vitesse les signaux de détresse et répartir le pouvoir. Les pertes et les espoirs, les pensées écoutées, s'appliquer à faire valoir les droits de chacun suivant une justice égalitaire. Supprimés par eux-mêmes les grosses putes des ministères. C'est un mouvement spontané, un mouvement révolutionnaire. C'est un mouvement spontané, la contestation par la violence. C'est historique et c'est révélateur, la température va encore monter. La première bataille, les premiers pavés, les premières grenades, la première barricade. Le temps n'est malheureusement pas carré pour le pouvoir de l'ordre international sur lequel il compte s'asseoir. Profiter d'où la personne ou même dans les domaines politiques, économiques, sociaux du système. Car le peuple sort petit à petit de la léthargie, entretenu jusqu'aujourd'hui par les idéologies qui nous poussent à consommer sans cesse, à produire dans le stress, à vivre de nuit en laisse. Plutôt vivre que d'exister en tant que chiffre, perpétuellement joué en bourse par des gros bourges ivres de fric. Le prolétariat l'a bien compris, bien déterminé, exterminer tous les pourris. Tout se passe très vite, en quelques heures c'est l'action. L'étincelle, on ne sait plus laquelle déclenche insurrection. À présent, c'est au parti des oubliés de s'exprimer. Face aux flics comme militaires, ils parcourent la rue armée. Jeunes de banlieue révoltés, gauchistes et libertaires. SDF sans papiers, chômeurs qui perdent en guerre. Certains d'entre eux n'ont sûrement aucun idéal, mais tous sont fermement décidés et à faire très mal. Et même si encore la majorité de la population reste alignée, passive, acceptant sa condition, elle ne peut ne pas s'entendre hurler sur le parvis. Ceux qui choisissent de mourir avec une espérance de vie. Le dialogue ou la bataille. Un mouvement révolutionnaire. Le dialogue ou la bataille. Fin du dialogue. Le dialogue ou la bataille. La contestation par la violence. Le dialogue ou la bataille. Fin du dialogue. Chacun a compris, ce sera la bataille. Ceux qui ne tolèrent pas, comme les prêtres, rabbins, imams, ayatollahs. Lassé de laisser la parole aux religieux, je lâche ceux qui prêchent et oppressent au nom de Dieu. Je fais pas comme Hagan, ni comme ministère amer. J'obéis pas à l'art, ce désert de gros tunnels. Fais ta prière dans ta cité, comme ça t'es bien contrôlé. Tu crames la caisse de ton voisin, pas le riche qui t'a volé. Mais t'as pas compris, prisonnier de tes croyances. Tu penses que le Coran atténue tes souffrances. T'habites à puissance, après t'es eu ses pieds sous terre. Pour l'instant pas l'essence, t'acceptes ta misère. Car la religion, c'est de la manipulation mentale. Pour ceux qui endurent maintenant le mal d'être exploités, massacrés, torturés par des bourreaux, béatifiés et sanctifiés. L'enfer n'est pas ailleurs que mon entier monde, mais qui connaît la douleur d'une existence immonde. Programmée par les bourges des deux hémisphères, maintenue par le mysticisme planétaire. Preuve à l'appui, l'horreur en Afghanistan. C'est la CIA qui commande les talibans, pourris d'impuissants qui oppriment les femmes, répriment les travailleurs au nom du grand islam. La désinformation, ça passe sur les Algériens. La désintégration du peuple ne se fait pas pour rien, mais bien pour les ajustements structurels requis par le FMI criminel. Les barbus ne sont que les sbires des banquiers. Ils tuent les syndicalistes, tirent sur les ouvriers. Le pétrole peut ainsi être privatisé. Et le GIA par les occidentaux appuyés. Apprends, frères prolétaires, que la France soutient la dictature fondamentaliste islamique soudanaise. Depuis 1989, le Front National Islamique, à la tête de ce régime, se livre à une purification ethnico-politique et religieuse à l'encontre de sa population. Dès
1992, Jacques Chirac et Charles Pasqua décident d'organiser un rapprochement entre la France et le Soudan. Depuis, notre pays appuie militairement et logistiquement les tortionnaires soudanais, forme certains membres de la police et de services spéciaux. En contrepartie, le Soudan assure la défense des intérêts français en Afrique et signe des contrats avec nos patrons. Quand on sait que le Soudan soutient les mouvements fondamentalistes du Maghreb, on comprend qu'ici, le plan Vigipirate n'est pas là pour combattre un éventuel terrorisme venu de l'étranger, mais qu'il est en place pour habituer la population française à côtoyer l'armée dans les lieux publics et la dissuader de toute action subversive. Ne restons pas indifférents face à cette situation. Organisons la contre-offensive. Les pourris catholiques adoptent des putains de tactiques. Y'a pas pire que l'obusier et ses vues théocratiques. Parlons de cette secte sanguinaire fascisante, en mission mondiale, maintenant menaçante. C'est une association chrétienne internationale, constituée de patrons de multinationales, de magnats de la presse et de la finance, de chefs d'État et d'autres éminences. Le but dissimulé de tous ces enculés consiste à ce que l'Église gouverne la société, infiltrée dans les institutions républicaines. Ils sont très influents dans l'Union Européenne. Aucun doute, ce sont de véritables fachos, associés, privilégiés du général Franco. L'Opus Dei a soutenu la dictature en Espagne avec l'appui des ordures vaticanes. Année après année, l'Opus Dei s'est renforcé contre la révolution qu'elle veut sans cesse écraser, comme ce fut le cas quand elle finança les contrats exterminateurs du peuple au Nicaragua. Mais son pouvoir est bien plus fort que tu ne le crois. Son ombre se dessine derrière chaque croix, surtout celle portée par le pape Jean-Paul II, que l'Opus Dei a investi de tous ses voeux. Pas étonnant que les ordres du souverain pontife dictent commandes anti-avortement détractives. L'objectif est diriger l'intimité des fidèles pour que tu pompes des gosses mais sans plaisir sexuel. L'air foulé du cul que sont tous ces curés, parce qu'ils sont frustrés et s'enfuient à baiser, souffrent de profonds troubles psychologiques et en politique, je te garantis qu'ils sont sadiques. Prolétaire doit avoir dans sa ligne de mire au moins un exploiteur. Justement, il est temps de balancer quelques noms de gros bourges qui savent très bien allier le sabre et le coupillon. Voici des cibles pour le paltrap révolutionnaire. Jacques Santer, ex-président de la Commission européenne, membre de l'Opus Dei. Christine Boutin, députée UDF, chargée par le pape de rechristianiser la France depuis 1993. Cette frigide organise les réseaux anti-avortement. Gérard Mulliez, propriétaire des magasins Auchan, restaurant Flunch, Pizza Pie, troisième fortune de France, ami des légionnaires du Christ, soutient l'Opus Dei. François Michelin, qui n'hésite pas à licencier des milliers de salariés, proche de l'Opus Dei. Georges Berthier, député européen depuis juin 1999, membre de la Fondation de Services Politiques, proche de l'Opus Dei. Philippe de Villiers, vicomte le Joli de Satignon, proche de l'Opus Dei. Bernadette Chaudreau de Courcelles, épouse Chirac, proche de l'Opus Dei. Jean-Louis Guigou, époux d'Elisabeth Guigou, la ministre de la Justice, proche de l'Opus Dei. Jean-Claude Godin, député maire et membre de l'Opus Dei. On n'oublie pas l'Union des familles musulmanes, le Conseil représentatif des musulmans de France, de Amboui Mekachira, islamiste fondamentaliste et ancien délégué à l'intégration dans le gouvernement Juppé. On n'oublie pas le Centre français des patrons chrétiens, qui pèse en faveur de notre misère, avec ses 207 sections dans toute la France. Ictus est aussi notre ennemi. La collature de l'Opus Dei en région parisienne est aux 5 rues du Frénois, Paris 16e. Pour dernière illustration de cette culture de soumission, qui représente la religion dans toutes ses manifestations, je vais te parler de l'hindouisme, dans l'obscurantisme, un sixième de l'humanité et en plus dans le mutisme. Krishna, Shiva sont les dieux que vénèrent les barbares, brahmanes, ces prêtres tortionnaires. Des prolétaires indiens qui passent en tête comme des chiens, agonisent dans les rues, car à manger ils n'ont rien. Résistance possible contre un monde où tout est joué d'avance, pour les intouchables impossible de déjouer. Le système des castes, véritable cachot social, qui conditionne les masses pour la joie du capital. J'engrais bien tous ces et leurs potes du BJP, militants nationalistes, complètement handicapés du cerveau, pour rien, juste pour à se branler, car ils n'aiment pas les femmes, ils préfèrent les brûler. En vérité, je vous le dis, un vent violent libertaire va dévaster pagodes, églises, mosquées, monastères, un lieu de culte où est cultivée l'ignorance, car la croyance est le pire ennemi de la connaissance. Désormais la guerre à mort est motivée par tous les révolutionnaires athées et raisonnés, surtout rationnels pour stopper le spirituel et pêle-mêle chasser les curés du temporel.
pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Il faut maintenant que les choses changent. La parole doit être donnée au peuple. Je viens sommer la gueule avec mon putain de temps qui pleure. Sont malheureusement biaisés. Les uns n'ont que leur poing et les autres l'arbeille. Demain la fronte mort devra éclater. Et là ce sera l'homme face à l'officier. Aboutissement logique quand l'horreur est au pouvoir et qu'elle s'oppose aux forces révolutionnaires dans l'histoire. Le combat est imminent contre ses éminences. Il s'agit tout simplement d'organiser la violence. Organiser la violence comme ils organisent la souffrance. Organiser la colère et la désespérance, ces dernières qui ne trouvent aucune explication précise, si ce n'est pour les falsificateurs qui évoquent la crise. Le processus en fait vie, j'ignore si tu l'as saisi. Tu es la cible, non 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 non, ce n'est pas fini. Mais pourquoi le serait-ce tant que certains en tirent profit? Ce sont les mêmes qui s'engraissent et toujours les mêmes qui en chient. Et ne me faites pas croire que le vice est dans nos veines, conditionné depuis l'enfance par des images de haine. Parce que nous sommes le pur produit de notre éducation, parce que celle-ci se fait chaque jour par la télévision. Ne sois pas récupéré. Tu sais que c'est la mort qui t'attend si tu te conformes aux normes, aux mouvances véhiculées. Ne sois pas récupéré. Pense par toi-même aux problèmes vers lesquels nous mènent les maîtres et leur système. Un système libéral. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'es voué à vivre toujours pire. Et vivre moins, c'est toujours un peu plus mourir. Vivre moins, c'est toujours un peu plus mourir. Lionel Jospin, bonsoir. Bonsoir. Quand on est Premier ministre et qui plus est de gauche, s'entendre ainsi interpeller sur un sujet aussi douloureux, est-ce que c'est pas au fond la situation la plus difficile, la plus redoutée? Un certain nombre, parfois de chômeurs, souvent de petits groupes, m'interpellent, moi, disant Jospin, tu es sourd, Jospin, pourquoi tu refuses de donner les milliards? Comme s'il s'agissait de mon argent. Mais là, vous ne pouvez pas les chasser contre les chômeurs. Non, non, non. Non. C'est notre argent, trop du cul. C'est notre argent. Ils font partie de cette collectivité. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que pourquoi refuserais-je de donner un argent qui n'est pas le mien? Ah, putain. C'est à nous, ça. C'est à nous, l'argent. Démission. Ils sont le produit du travail national, de la richesse nationale. Spéculation. Des impôts. Moi, simplement, j'ai un devoir de vérité, j'ai un devoir de responsabilité. Quoi que représente ce mouvement par rapport au chômage de masse, parce qu'il n'y a pas eu un mouvement de masse, mais il y a un chômage ça de masse. Ça va venir. Je dois marquer le geste. Patience. Le projet de loi contre les exclusions que nous allons présenter au Parlement dans les mois qui viennent. Mais c'est temps qu'ils nous disent dans les mois qui viennent. Car casser la croissance qui reprend, casser la dynamique de la confiance qui nous sommes en train de faire. Quelque chose de contre-productif. Non, 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 non